Ouais, je veux les surprendre sur mon timing gank. Les bots, c'est assez free kill. Mais en même temps, je veux pas cheese gank level 2. Parce que j'ai pas envie de perdre un de mes debuffs de Lee Sin. Du coup, je vais faire red, bleu et gank bot instant. Là, faut pas que j'oublie que j'ai un Trindatap qui joue Ignite et qui a pas de TP. Pas trop envie de baser ma game sur de lui. On pourrait, hein, mais. Pas spécialement là. Là. Thank you, thank you. I ensure the survival of Piltover. La mécanique du Q de Camille quand même est vachement agréable à jouer. Ça paraît naturel, genre, je sais pas comment dire. Ah, bon. Oh, what, cette cage? Ah, j'ai pas de CD pour l'aider. Oh, ça fait chier parce que si je rencontre Lee Sin là, c'est un peu la merde. Oupsi! C'est bien d'avoir le niveau 3 quand même. C'est bien fait. Super fan de Gank Navy. Mec, il se fait baiser en 1v1 top, c'est grave. Ah, je sais que Tarik top c'est fort, mais putain, quand même. Voilà. Bon, du coup, Lee Sin il a dû servir dans mon topside. Mais au moins, j'ai lancé le snowball bot, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, c'est bien. Je sais pas si c'est parfait, mais c'est très correct. En plus, Lee Sin, on l'a toujours pas vu de la game, donc. Ce qu'il fait. Je ne sais point. À partir du principe que mon topside il est Gonzo, hein, donc je vais d'abord aller sur menu. Là, je suis ok pour faire un passage mid. J'utilise pas son Q. Ok. Nice bot. Excellent travail, les amis. Hop. Ah, mais je suis con, j'ai pas besoin de prendre le timer du raid parce que je l'ai automatiquement. C'est vrai. Y'a pas rien à prendre dans ce. Hein? Ah, y'avait une pique? J'ai pas vu. Exact. Juste par là parce que c'est plus efficace pour moi. Hein.
Rien de personnel. Comme prévu. Ça c'était assez sûr. Pas très grave. Un peu derrière en XP sur la game, mais j'ai investi beaucoup de temps pour prêcher les lanes. Je pense que c'est worth it. Au cas où. Ouais, c'est pas une ward super worth, mais en mode au cas où je me fais cheese. J'arrive. Ouais, c'est worth. Pas pour aller kill. Prendre de l'XP du coup. Ah ouais, il est un peu horrible pour le Trindam, mais il fait grand chose. Bon, de clear des pings avec Camille aussi, c'est excellent. Hein. Genre, le reset d'auto-attaque il met trop bien. C'est grave. Ah, ça touche pas rien. Yes. T'en fais pas, mon ami Malzart. Est-ce que. Putain, tout ce que je. Ah non, il faudrait un cran en plus. Que je puisse upgrade mon item jungle et faire lourd, donner le bleu et back, je pense. C'est le plus optimal pour moi. Après, je vais voir parce que j'aurais peut-être l'opportunité de gank sur la map donc. Oh, nice, oui. Il y avait un double buff. Ah, il a pris mon bleu. Bon. Le fait qu'il m'a vraiment invade. Ah oui, Matrix, c'est là, il m'avait vu clear tap. Il est en train de faire mot tap, donc c'est pas illogique. Elle va trop vite! Pourquoi je peux pas R? Ah, je vais mourir. Ah, c'est super humiliant. Ok. Ouais, ça va, mon champion est broken. La range est si petite? Ah, ouais, la range est toute petite. Je suis désolé, je connais pas beaucoup Camille. Hein. C'est ma deuxième game de. Bon, non, peut-être pas deuxième dans ma vie, mais. En gros, là, ces derniers temps, j'ai fait genre deux games de Camille, donc bon. Pas encore super au fait de. de certaines choses. Pour vous dire, j'ai été surpris quand le R de Nami a cancel mon E de commencer à la cancel. Je pensais que j'allais quand même pouvoir m'agripper au mur, tu vois. Ok, pas mal. Faire ça. Piltover will achieve its destiny. Ouais, ça me semble pas mal. Patrinda, il passe un bon moment de gaming en tout cas. J'arrive, t'inquiète pas. Tiens bon. Ouais. On est bien sorti tout seul. Okay. Je
Bon, la hitbox du E sur les creeps est vraiment toute petite. Hein. Ok. Ah, désolant ça. C'est bon, ça. J'arrive. Mais les gens qui sous-estiment Taric, ça me dégoûte par contre, hein, c'est grave. Hein. Putain, j'aurais dû R sur Taric pour juste éviter le Q de la Nivea du coup. Je sens pas comme Malzar, elle est mongolisée autant. Putain, c'est grave quoi, il lui a laissé... non seulement il lui a laissé le first blood de tour, mais en plus de ça, il laisse me kill quoi. J'ai un peu... C'est rien de tilt, c'est rien. J'ai un peu le démon, mais c'est la vie, c'est pas grave. Faut savoir faire avec. Bon, R cancel l'ultime d'Anivia. De toute façon, genre, j'ai essayé de R Anivia, mais j'avais pas la portée. En fait, j'ai dit j'aurais dû direct go sur Taric. Mais sinon, je pense pas que mon R cancel l'ultime d'Anivia. What the fuck? Enfin, ça irait cancel l'ultime d'Anivia. Quel sens? À moins qu'il y ait un truc que je. Dont je sois pas au courant, mais. Dernière nouvelle, je vois pas pourquoi ça cancellerait l'ultime d'Anivia, mon ulti. Nice. Ah, les sin top. Une chance. Oh, let's go, ça c'est ma botlane, putain. Oh! Oh, mais là, let's go! Putain, les monstres! J'arrive, cours, 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 cours. Oh, oups, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, je savais que c'était worth it. Mettre devant une lane Caitlyn Morgana, c'est toujours worth it. Mais bon, là, ils sont particulièrement étonnants. En vrai, je pense que j'aurais dû prendre le kill, mais. Je pense que les kills sont plus intéressants sur moi que sur lui. En vrai, c'est la différence, c'est pas énorme. Chier, Nami, permet de défendre la tour. Oh. C'est vrai que je pensais que Morgana elle est revenue en arrière. Je pensais qu'on aurait pu cut le Jhin. Et là, il a vachement grid à son passage. Chier, j'arrive pas à ce putain de carapateur, fait deux fois que je choque. Ok, c'est un travail. Coming. Pas de chance, ce qui se spell, Anivia. Je veux le dragon. Je veux ce dragon. Le dragon désert est trop bien maintenant. Il a été changé.
Surtout qu'on a... On a un Malzar et tout, genre. Dragon et tout. On va aller tuer Taric. J'aurais dû passer dans la river aussi. Parce que genre, je joue avec des runes qui me permettent d'aller plus vite dans la river, donc c'est un peu con de passer à côté, quoi. C'est quand même très con. Ah fuck. J'avais su. Avec la sécurité du Black Shield, j'y serais allé. Mais le truc, c'est que on avait pas trop d'infos dessinées et tout. Donc j'étais un peu. J'avoue avoir été un peu insecure là-dessus. Il est impossible à choper le carapace, hein, c'est grave. Bon. Bah, peut-être 3 fois. Ah. Je peux les taxer sans rouge, là, du coup, non? Vas-y, sur les bras. C'est incognito. D'accord, c'est bordé. Faudrait que je back quand même. J'abuse un peu là. C'est qu'il y a du farm partout, c'est trop bien. Bonne chance à vous. Faut vraiment que j'aille dépenser ces 3700 gold. 3400, pardon. Oh, en vrai, attendez. Ah non, dommage. Il y a peut-être moyen que je puisse one-shot la unité avec la tour, mais. Bon. On passe un peu une heure dans la base. It is not the weapon that defines you, but how you wield it. Precision is the only standard that matters. The luxury of mercy is one I cannot afford. Oh. J'arrive, j'arrive. Bot fighting. Il y a toute la famille qui arrive, c'est un peu. Faut quand même forcer bot. Ok, bah c'est parti. À l'attaque, j'imagine. J'ai chopé Annie hier. Ok. Ça fait chier. Moi, faut vraiment que je reprenne l'habitude de timer les summoners là. Si je savais qu'elle avait son flash, c'était facile après shot quoi. J'aurais dû la tuer là-dessus. Elle a un bleu, Anivia, non. Et leur bleu a volé. C'est pas encore ça, hein. Il faut falloir un peu d'entraînement. Oh, pas de plante. Okay. Okay, pas mal. Oh, la Trinité, c'est excellent. Bon petit power spike, ça.
C'est sur une ward, wesh, genre elle a avancé au calme. Elle était pink la ward, donc elle me voyait pas. Les pinks ça désactive les wards, mon ami. En gros, si t'es sur une ward mais qui est pinkée, bah elle donne pas d'infos. Yep. Oh! J'ai rien dit, ils ont raté le timing stun. Nice. Du coup, pas rip. Oh, la bulle! Ah! What? What? Le E de Camille avec la jungle, c'est très bizarre. Hein. Il se passe des choses vraiment. Vraiment pas normales. Le truc, c'est que le Nash, il y a personne pour le tanker en même. On va faire qu'on sécure ça. On a personne pour tank ce Nash en fait. Il a l'air sûr de lui, mais moi je suis pas beaucoup moins sûr de Skull, mais bon. Go. Bon après, tu me diras, ils font les débiles sur Trinda, donc c'est parti en fait. Oui, accessoirement, j'ai pas de smite. Le dragon. J'ai chier de perdre son dragon. Oula, un petit tilté, l'ami. On peut le sortir du pit, c'est mieux. Excuse-moi, Caitlyn. Fais des crits à 1300, hein, fais-toi plaisir. What the fuck. C'est un peu bâtard ce que je viens de faire. J'avoue, ça se fait pas. Nice. Aïe. Oh, GG. Oh, nice. La route de jungle early qui a payé le petit cheese gank. C'est pas un cheese gank level 2 bot, mais en fait le timing est un peu cheesy. Hein, ouais. Genre, je suis mode, en fait j'ai fait red, bleu et bot instant, donc c'est pas le niveau 3, tu vois. Donc j'étais pas là dans un timing. Normalement t'arrives sur les lanes au niveau 3, genre vers 2 minutes 30 si t'es un mec qui clear vite. Sinon plutôt 2 minutes 40, 45, voire même un peu plus, tu vois. Et là je suis en mode j'ai fait juste red bleu et j'ai une copote comme un singe. Et ça a payé, c'est bien. Après tout c'est que Kate Morgue mec a fait snowball, c'est vrai. C'est assez rentable. C'est le genre de lane qui snowball très violemment. Bon c'est nice. Bon, les mécaniques de Camille sont encore un peu complexes, pas encore assimilées. Ouh la putain de signes, c'est grave ça. Pardon. Mais bon, ça arrive petit à petit. Il faut quelques games. Et une victoire méritée de Trinidad.
C'est au 9-3 quand même, on le rappelle. En vrai, il s'est fait camp pour sa défense. Après s'être fait solo kill deux fois, il s'est fait pas mal camp. Ça aide pas. Ça aide pas beaucoup.